Bienvenue dans les guidances de l'eau. Nous allons faire cette guidance en rapport avec la pleine lune qui va se produire le 18 mars à 8h17. Donc nous allons faire une énergie après le tirage et une petite phrase comme d'habitude. Donc voilà, c'est parti. Donc la petite phrase, la petite énergie, la carte énergie, je vais faire avec les tarots. Alors, pour les signes de terre, nous allons commencer aux signes de terre. Donc, Taureau, Vierge et Capricorne. Pour cette pleine lune qui va se produire le 18. Allez. Carte énergie. Qu'est-ce qui va se produire pour les Vierges? Celle-ci. La lune. Oh, bah justement, pour la pleine lune, c'est la lune. Les émotions, le remous intérieur, l'inconscient. Bon, allez. Les rêves enchantés de Lenormand. Pour les signes de terre, en rapport avec cette pleine lune. Alors, nous avons les poissons, les transactions, les cigognes. Les cigognes, nous avons le trèfle. Alors, les cigognes, le changement, le déménagement, les transactions, l'opportunité. Bon, il y a beaucoup de changements en ce moment de maison, d'achat. Ça fait que ça. Allez, la deuxième ligne, s'il vous plaît. Pour les signes de terre, dans cette nouvelle lune. Avec la lune, oui, c'est ça, hein. C'est les remous intérieurs et les signes de terre, surtout la Vierge, hein. Ça remue souvent, hein. Alors, si ça ne vient pas, on va chercher les dés. Les dés, décision à prendre, peut-être. Hop, ah ben voilà les nuages. Alors, les nuages, situation qui s'éclaircit. Les remous intérieurs avec la lune. Ma force, l'argent avec avec l'ours. Les transactions, ben ça peut être encore un aménagement, hein, pour. Proposition pour un logement, une opportunité qu'on pourrait avoir, le remous intérieur, se décider, parce que pas très décidé, la loupe, proposition peut-être à regarder de plus près. Les poissons, c'est souvent les transactions financières. Avec un déménagement, une opportunité, l'argent. Alors, ouf, j'en ai trop. Il y a trop que ça retourne. Il m'en faut deux. Alors, celle-ci. Ah bah, les solutions. Alors, si vous aviez un doute, les solutions vont arriver. Et l'homme. Et la bague. Contrat. Alors, ça peut être un contrat professionnel. Ça peut être un contrat familial. Il y a le temps derrière. Avec la lune, le remous intérieur. Les transactions, les dés, les nuages. Si vous cherchiez un nouveau logement, et la solution va être apportée. C'était pas gagné dès le début, mais ça va être apporté. Là, une bonne opportunité qui va se présenter. Vous aurez sûrement les finances pour faire tout ça. Vous allez trouver des solutions, soit pour les finances, soit pour l'appartement, ou les deux.
Les transactions, il faudra bien regarder par contre tout ce qui est contrat avec la bague et voir les petites lignes de ce contrat. Parce qu'il y a peut-être des choses cachées qu'il faudra remettre en surface. Donc avec l'homme, les transactions, les nuages, l'homme. Donc l'homme, ça peut être vous aussi, hein, parce que comme c'est intemporel, on ne sait pas du tout. Enfin, oui, je pense que c'est le consultant. Le consultant. Nous allons voir avec celui-ci. Les compléments d'information. Donc c'est un contrat. Avec la lune. Le contrat, c'est l'intérieur. Oups, il y en a trop. Beaucoup trop. C'est un projet, ça. Un projet de vie. Un projet de lieu de vie. La solution. Allez, hop, ça vient pas. On va chercher. Ah, du retard dans les transactions. Peut-être un blocage du retard sur les cigognes. Nous avons la personne influente, peut-être un notaire, peut-être un avocat, mais je pense plutôt un notaire. Sur l'opportunité, nous avons là, comment ça s'appelle? Une entreprise. Une entreprise, l'opportunité. Sur l'idée, nous avons la lettre. Un courrier qui va arriver à nous. En espérant que ce soit un bon courrier. Alors, sur les nuages, on coupe pas la faux ou l'abondance. Donc, on coupe avec peut-être une situation. Peut-être qu'on aura un blocage financier et on ne pourra pas avoir ce qu'on veut. Ah, donc nous avons un contrat d'argent. Donc peut-être un prêt. Un prêt qui va être. Alors j'espère qu'il ne va pas être refusé avec la coupure. La loupe, ouais, faire attention. Donc la loupe, bien regarder. Bien regarder les petites lignes sur la solution. Le couple, les discussions. Peut-être en discutant qu'on aura ce qu'on veut. Et sur l'homme. Sur l'homme. La cigogne qui revient. Alors, la montagne, la coupe, la faux. Et en dos, la transformation. L'homme. Oui, écoutez, c'est pas gagné ça, hein. Avec la lune. Peut-être un projet qui va tomber à l'eau, hein. Moi, je pense, parce qu'il y aura deux retards. Il y avait une bonne opportunité avec une mairie ou enfin, avec un établissement. Mais la coupe, l'argent, pourtant vous avez le prêt, mais avec la coupe à côté, ça se peut que le prêt soit ait du retard, soit qu'il soit refusé. La solution viendra des discussions du couple. Et je ne vois pas, par contre, avec cette lune, moi je pense que c'est peut-être ça, c'est la lune qui vous tracasse, qui vous met des remous. Vous n'êtes pas sûr du tout de vous, hein, en fait. Hein. Donc, en plus, on ne vous dit pas de bonnes nouvelles. Bon, ben, regardez voir si ça vous parle, mais moi j'ai l'impression que. Si vous deviez acheter quelque chose ou vendre quelque chose, mais plutôt acheter, c'est pas vraiment le moment. Attendez quand même un petit peu parce que vous allez peut-être avoir un contrat avec l'argent, mais il y a la coupure à côté. Et alors, par contre, les solutions viendront du couple, viendront après une discussion. Donc dans l'immédiat, ça ne va peut-être pas se faire, mais ça va peut-être se concrétiser par la suite. On va voir avec les petites
Un petit message de Fanny Ferry. Voir ce qu'elle nous dit. Alors, oh, il y en a une qui s'est retournée, je l'ai vue. Je ne sais pas où. Oui, voilà. Ici, elle nous dit l'introspection. Mets tes projets à jour. Je te protège. Te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Donc, apparemment, ça peut réussir, mais avec ce blocage et cette coupure, c'est pas dans l'immédiat. Le temps n'est pas pour nous, en fait, hein, je pense. Hein. Donc, dites-moi si c'est parlant pour vous, les signes de terre, pour cette nouvelle lune du 18. Et avec la lune, ça passe vite. Donc, refaites un projet. Peut-être le contrat n'est pas bien ciblé. Donc, refaire le projet, il sera sûrement réussi après. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Une bonne journée, au revoir.